Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les résultats de ce soir-là? Moi, je peux vous dire également les résultats de Sainte-Suzanne. La candidature que je soutiens, donc Alexandre Cachéon, arrive largement en tête avec près de 36% des voix. D'accord. Vous donc plus de 3000 voix. Vous êtes confiant pour le deuxième tour? Je suis donc satisfait des résultats de Sainte-Suzanne. J'attends maintenant les résultats des autres communes. Je ne peux pas m'exprimer sur les autres communes, j'attends les résultats. Mais ce que je peux dire également sur la physionomie de ce scrutin, c'est qu'on assiste donc à un vote de copier-coller, en quelque sorte, de ce qui se passe en France hexagonale, c'est-à-dire un vote qui va donc se jouer probablement entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Voilà. D'accord, donc est-ce que vous lancez encore un appel à la mobilisation pour le second tour? Moi, je dis toujours, j'attends les résultats, il va de soi qu'il faut donc tout faire pour faire barrage au Rassemblement national.